Coucou, on est vendredi matin, il est très très tôt. Parce que moi je vais aller travailler ce matin. Enfin ce matin, quasiment toute la journée, hein. Je vais faire 10h-17h. Donc c'est un peu le matin et beaucoup l'après-midi. À la maison, ils font tous dodo, donc ça va aller. Je ne sais pas au niveau de l'éclairage ce que ça donne. Tac tac tac. Là ça pète, hein. Là, ça pète, ça pète. Ouais, bon. Hein. Mon truc là, il y a quoi là? Bah oui, des folles de Snowy. Quelle idée de s'habiller en noir. Je vous jure. Hop. Bon, bref, ça y est. Tout ça pour ça. Bon, alors là, des encres, parce que j'avais besoin vite fait des encres. Ça coûte un bras, les encres. C'est hallucinant. Et ça. Oui, c'est ça, j'ai pas besoin de vous montrer. Hein. Tac. Il m'en fallait vite, donc j'en ai acheté vite. J'ai reçu plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 courriers. Alors, une de Valérie. Alors, celle-ci, je l'avais reçue il y a 2 jours, mais j'avais une seule lettre. Je me suis dit, je vais peut-être pas faire. Une vidéo pour une lettre, bon, quoique ça m'est déjà arrivé, hein. Ça dépend de mon humeur, de mon envie, de ma motivation. Ça, c'est beaucoup de boulot. Ça, alors, ça, moi, je sais pas vraiment faire ça parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Enfin, voilà. Il me semble que c'est une carte love. Il y a 2 oiseaux qui m'ont l'air un peu amoureux. Donc, il me semble que c'est une carte défi Saint-Valentin. C'est-à-dire sans cœur et sans rouge. Donc là, même si c'est pas la carte du défi, elle s'est relevée quand même. Coucou, coco. Ben voilà, ben si, c'est ça. La carte défi Saint-Valentin, sans rouge, sans cœur. Bien sûr que tu as respecté les consignes. J'aimerais que tu me dises comment faire pour te montrer mes cartes sans te les envoyer. Tu peux m'envoyer la photo en mail. Voilà. Je vais essayer de penser à mettre mon mail en barre d'infos. Sinon, c'est pas compliqué. C'est rosebonboncoco, comme mon pseudo, @gmail.com. À très bientôt pour un prochain défi. Alors, il faut que je réfléchisse. Hein. Bon, là, on est que le. Je sais pas combien on est. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Le 4, vendredi 4. Oui, bah, en plus, je vous l'ai dit en début de vidéo ou pas. Je sais pas, parce que comme j'ai recommencé, parce que j'ai une petite casse-pied qui est venue me rendre visite, hein, la relou, qui cherche ses petits câlins. Bon, bah cool, c'est merci. Bah cool, c'est merci. C'est cool, merci. Ouais, dans le bon ordre, c'est mieux. Ça va aller sur mon présentoir à cartes. Bon, vu que j'en ai plusieurs, je pense, je vais les entasser, entre guillemets, ici. Et je viendrai les poser sur mon présentoir après. Voilà, en tout cas, oui, le défi est respecté. Bon, bah ça, du coup, poubelle. Ouais. Alors là, il y a dû y avoir un souci avec la poste. Parce que j'ai reçu ce courrier dans un emballage plastifié. Donc. Hop, 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 hop. Il y a une lettre avec, alors ils doivent m'expliquer. La correspondance ci-jointe a été détériorée en cours de traitement par une machine de tri. Je vous prie d'accepter nos excuses. Soyez assurés que la Poste s'attache à offrir à ses clients un service de qualité et qu'elle met tout en œuvre pour acheminer dans les meilleures conditions les objets qui lui sont confiés chaque jour. Pardon. Pour toute réclamation, merci de contacter le nanana. Voilà, je vous remercie de votre confiance. Bon, ok. Objet détérioré. Bon. Ah, il a dû être. Ok, d'accord, je vois.
Ah, ça a dû être ouvert, oui, parce que il y a des du scotch de la poste. Je ne pense pas que ce soit toi qui mets la poste. Donc, c'est un courrier de Sylviane. Donc, Sylviane, apparemment, ton courrier a souffert. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Hop, 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 hop. Ah, ok. Donc, à mon avis, c'était un shaker, je pense. Parce que je vois tout autour... Snowy, elle est en train de jouer avec ma plante. Je vois tout autour qu'il y a de la colle. Donc, voilà. Très jolie carte. Très simple. Ouais, c'est dommage, ça devait être un shaker. Bonne année, que cette année soit belle et douce. Sympa tes tamponnages. Santé, ma carte avant la fin du défi. Bon, il n'y a pas de... Bon, j'ai pas vraiment de date. Je dis à peu près, c'est le défi de janvier, le défi de février. Mais c'est pas... Il n'y a pas un règlement strict. C'est pas un concours, on va dire. Tu feras un bisou, un seul? Oh, à mamie aussi, car je n'ai pas son adresse. Ok, bon, bah mamie, si tu passes par là, t'as un petit bisou de Sylviane. Tu sais, je suis toujours en retard. Bah, il n'y a pas besoin d'être à la retraite pour être toujours en retard. Hein, moi aussi, je suis toujours, toujours en retard. En tout cas, tes petites découpes de poissons, elles sont très mignonnes. Et ton shaker, j'imagine, qui devait être très mignon. Voilà. C'est rigolo, voilà. Faut pas le prendre. Faut pas s'énerver, voilà. Ça peut arriver hein, à la poste. Faut pas toujours dire oui, c'est des incapables. Gna gna gna. Qui ne fait pas de bêtises, hein. Voilà. Donc, ben voilà, ça peut arriver à tout le monde. On a eu sur le nombre de lettres qu'ils reçoivent, qu'ils ont à traiter. Hein, ça va. Bon, un petit timbre comme ça que je mets de côté quand même. Hop, donc du coup, sa poubelle, puis le courrier, bah poubelle aussi, moi. Je suis pas le genre à faire des réclamations, donc je vais pas, c'est pas maintenant que je vais commencer. Donc, Snowy, viens là, descends. Ah non, viens pas là. Non, viens pas là. Bref, j'ai encore des courriers à ouvrir. Donc, là, de Daniel B. Ouais, de Daniel B. Je vais voir si je peux pas... J'avais un truc pour ouvrir les courriers avant, vous savez, un petit... Une espèce de cutter coupe-papier, mais j'ai cassé. Alors... C'est mignon. Je pense que... Amour toujours. Je pense que c'est défi Saint-Valentin. Hein, t'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux. Regarde comme elle est belle la carte. Regarde la carte. Toujours sans trou de balle. Oh, c'est pas possible. Je veux bien que tu restes là, mais tu te couches. Donc, le défi... Disons que là, la rose, elle est fuchsia. Alors, voici ma petite contribution pour le défi de février. J'ai encore des progrès à faire pour la mise en couleur, mais j'y travaille. Belle journée, Daniel. Ça va, t'as pas l'impression de me gêner? Qui me parle? Oui, il est marqué amour, toujours. Bah déjà, colorisation, t'as fait des ombrages et tout ça. Moi, je sais pas spécialement faire. Ça, moi, le color, j'ai essayé hein, le coloriage hein, comme tout le monde on essaye le coloriage, mais faut avoir le coup de main quand même hein, faut avoir le vraiment le coup de main. L'autre elle s'étire, ça va. Oh, c'est pas possible celle-ci. Allez hop. Non, voilà. Non 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 non, je veux pas de toi. Oh, c'est pas l'heure des câlins. Quand c'est pas l'heure des câlins, c'est pas l'heure des câlins. Bref, merci, merci Daniel. Il me reste encore 3 courriers à ouvrir. Qu'est-ce que tu me chopes là? Comme si qu'elle n'avait pas assez. Mais c'est bon, hein, tes fesses, elles sont belles, mais on n'a pas trop envie de voir tes fesses. Allez, couche-toi. Allez. Voilà, couche-toi, 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 couche-toi. Allez. Elle, elle s'en fout, mais alors, elle s'en fout, Royal. Oui, c'est moi. Je regardais l'adresse de devant. Oui, c'est moi.
Marie-Annick. Alors, ouh, Saint-Valentin. Ah bah là, c'est respecté. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de rouge. Voilà. À la starlette. Bonjour. D'accord. Dans les défis. Et votre défi est très amusant. Ah bah c'est bien, t'as mis directement ton nom, ton adresse sur la carte, ça c'est très pratique. Parce que des fois, je garde pas spécialement les adresses et tout. C'est sympa. C'est les genres de découpes qu'on a chez Action et tout, et que des, moi je sais pas quoi faire des fois avec. Donc ça peut donner des idées. Merci beaucoup pour cette carte, on va dire monochrome bleu. Voilà, donc l'enveloppe, je peux la jeter. C'est cool d'ouvrir du courrier, c'est cool. Madame L. Madame L. Du 17. Ah, ouais. Je me demandais ce qu'elle faisait. Puis vous savez, les chats, quand ils guettent un truc et puis qu'ils bougent leur petit cul comme ça. Bon, là, elle est en train de chasser un jouet. Oh, c'est rigolo. Je suis là pour toi, Ian. Bonne Saint-Valentin. Ah bah là, c'est plus que respecté. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de rouge. Non, non, les petites perles, elles sont roses. Ça vous a inspiré? Oh, merci. Plein de petits lapins, regardez. C'est sympa. Alors. Coucou, coco. Excuse pour l'écriture, j'écris mal. Pas du tout. Moi, j'écris encore plus mal. Enfin, j'ai pas dit que t'écrivais mal, mais moi, j'écris vraiment très très mal. C'est Nadine. Je me suis bien éclatée en faisant la carte. Je vois que tu fourmis d'idées. Bisous à tout ton petit monde. C'est mignon. Bisous à tout ton petit monde. Bah merci, merci, merci. Bah je vois que je fourmille d'idées, mais je vois que je ne suis pas la seule à fourmiller d'idées. Faut avoir l'idée, hein, faire un orange avec des ânes. C'est plutôt une bonne idée. Ah oui, ils sont amoureux aussi, les ânes. Nadine Scrap. Merci, merci, merci. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. En plus, l'enveloppe orange, la carte orange, tout. Hein. Vous assurez, les nanas. Christine. Encore toi. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que Christine m'a préparé? Je vois du rose. Je vois... Oh, des petits chats. Oh, c'est tombé les étoiles. Bon, c'est pas grave. Il y a des petites étoiles qui sont tombées. Alors, j'essaie de voir où je vois de la colle. Ah bah c'est bon, je sais où je vais les mettre. Hop. Et... Pam, pam, pam. Je vais les coller tout de suite. Sinon, je vais pas le faire. Alors, attendez. Hop, je vois un peu de brillance ici. Et un peu de brillance ici. Donc, à mon avis, la grosse étoile, elle va là. Et la plus petite, elle va là. Voilà. J'ai rajouté... Ah, ça bouge. Oui, bah oui, c'est pas sec. J'ai rajouté les deux étoiles. Elle fait sa folle. Très mimi, les deux petits chats, là. Le fond en patouille rose. Rose, orange, jaune. Et du love partout. Love, 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 love. Court et après je ne sais pas, elle me fout un bordel. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Le fond est fait avec de la mousse à raser.
C'est rose foncé. J'aime bien la précision. C'est rose foncé, hein. C'est pas rouge. Hein. Il n'y a pas marqué c'est pas rouge, mais quand on lit entre les lignes, c'est rose foncé. Hein. C'est pas. J'espère que cela te plaît. Non, pas du tout. J'aime pas du tout. Bien sûr que oui, ça me plaît. Il y a deux petits chats sur la lune et tout. Enfin, si, c'est mignon comme tout. Et ça, j'aimerais. Faut que je pense à faire ça. Ça, j'y pense pas. Et à chaque fois que je le vois sur des cartes, je me dis, c'est quand même mignon ce petit trait-là. Donc, je vais essayer d'en faire dans ma prochaine création. Laquelle, je ne sais pas, une petite carte. Bah écoute, non, c'est pas Daniel, c'est Christine. Je suis restée sur Daniel de tout à l'heure. Écoute, Christine, merci beaucoup. Bah, je vais quand même garder ça. Faut que je rebouche ma colle, là. Je viens de voir que j'ai pas rebouché ma colle. Donc ça va pas le faire. Ça va être encore tout sec quand je vais vouloir l'utiliser. J'avais pas mis la petite aiguille. Voilà. Et ben les nanas, merci beaucoup. Donc c'est une petite familiarité. C'est pas méchant. Donc, je vous remonte les cartes. Celle-ci. Celle-ci. Saint-Valentin. 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 Je vois que ça vous inspire, hein, c'est marrant. Parce que je lance des trucs comme ça, mais je me dis. Est-ce que ça va leur parler? Est-ce que ça va leur plaire et tout? Moi, j'ai toujours pas fait la mienne. Voilà. Et celle des poissons de janvier qui, malheureusement, a été arrachée dans la... dans, chez la poste. Enfin, bon, bah, vous m'avez compris. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais à toutes et à tous des gros, gros bisous. Et je vous dis à très, 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 très vite, bah, pour une autre vidéo. Bien sûr. Un live, peut-être pas, on verra bien. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis bonne journée ou bonne nuit à tous. Allez, bisous.